C'est bon? Appuie sur le... Ah c'est bon. Ah. Coucou! Moi c'est Ariane, et toi? Y'a personne. Et je suis une princesse, mais ça se voit non. Et toi? Non. On m'a demandé de venir vous présenter ici une pièce que ça s'appelle Mythologie vraie et que ça va être joué le 4... 5, 6 et 8 mai, ici. Ouh, rien d'y penser, j'en ai la chair de poulpe. Alors voilà, je vous fais le pchit. Pchit. Alors, parce qu'en fait, Minos, mon père, c'est le roi de la Crète et il a plein de dents contre Égée, le roi de Athènes. Mais ça, c'est pour une raison que vous saurez que si vous venez voir la pièce. Et parce que sinon, non. Sinon, non. Du coup, il y a une sale ambiance entre les deux. Hein. Et c'est pas le Minotaure qui vous dira le contraire. Mais si, le Minotaure. Tu sais, c'est le truc avec des cornes et plein de poils partout. Et que moi, genre, j'aimerais pas rencontrer si je sortais la nuit dans les bois toute seule. En même temps, je vois pas pourquoi je sortirais la nuit dans les bois toute seule. Vous êtes un peu bizarre, vous, non? Bref. Thésée, le fils d'Égée, il va décider que quand même ça commence à bien faire cette embrouille entre les deux rois. Alors il va traverser la mer, vogue la galette, pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Et comme il est super méga beau, et bah ma sœur Phèdre et moi, on va lui donner un coup de main. Il y a Hercule aussi. Hercule, c'est un demi-dieu, il est fort comme un truc. Ah, il y a Dédale aussi qui va l'aider. Il a un peu les fils qui se mouchent. Et papa, il dit que c'est quand même un peu un agité du local. Hein. Mais moi, je l'aime bien. Il y a aussi Hermès et la chouette. C'est deux emplumés, mais qui racontent bien les histoires quand même. Il y a des moutons qui moutonnent. Des chansons qui groovent et décorées carrément cool. Voilà, j'ai pas le droit de vous en dire plus. Motus et douche cousue. Si vous voulez savoir la suite, je vous donne rendez-vous les 4 et 5 mai à 20 H 30 et les 6 et 8 à 15 H. Et d'ici là, que les dieux vous arpègent.